Dante, vous avez vu aujourd'hui, parce que nous sommes la journée 4 du festival, donc deux films à la quinzaine des réalisateurs. Donc moi aujourd'hui je me suis un petit peu reposé sur mes lauriers, c'est-à-dire non, j'ai travaillé pour CineZoom. Alors nous allons faire la chronique spéciale quinzaine des réalisateurs, puisque vous la suivez depuis le début. Et puis nous avons démarché pour CineZoom, pour les stages, les formations que nous faisons, les ateliers du cinéma dont vous êtes issus. C'est votre première, un petit mot là-dessus justement. Bah écoutez, c'est pour moi ce stage c'est un peu une chance quoi, genre sinon je serais jamais allé à Cannes, donc et j'aurais jamais pu voir tous les films que je viens de voir, donc franchement c'est vraiment super et je suis dans le terrain donc c'est, je m'amuse beaucoup quoi. Dans le terrain, pas sous la terre hein, ouais. Sur le terrain. Mais en même temps vous avez commencé à être un peu fatigué peut-être, non? Ah ouais. Voilà. Donc c'est usant, mais c'est vraiment la pratique. Ah vous oui. Êtes un vrai journaliste presque là. Hein. Exactement. Le travail de journaliste là. Exactement. Même s'il y a des petites choses à revoir. Donc mais en tout cas, voilà, c'est cinéma format, donc ça c'est, vous êtes vraiment un petit peu formé là déjà. Hein. Ouais. Voilà, il y a des progrès depuis le début, j'ai vu. Alors maintenant, donc vous prenez la place de chroniqueur. Exactement. Donc chroniqueur pour deux films de la journée, la quatrième journée du festival, la quinzaine des réalisateurs. Alors, il y en avait deux. Ouais. Et en plus, vous avez la chance aussi de rencontrer les équipes de films dans les salles. C'est ça ouais. qui est important. Oui, alors, oui. Plus tard, on verra vos résultats en vidéo. Ouais. Donc, j'ai commencé le matin avec Los Silencios, un film de Béatrice Seigné, un film brésilien, une réalisatrice brésilienne. C'est un film qui parle d'une famille qui, après la guerre et la mort du père, ont fui leur terre et vont se loger dans une petite île, Isla Fantasia, qui est au coin des différents pays qui sont la Colombie, le Brésil et le Pérou. Et en fait, ce film raconte la vie d'une famille qui essaye de résister après la guerre, après les drames qu'elles ont subis. Et c'est vraiment un très beau film, c'est vraiment un super film qui démontre comment une famille peut tourner la page des fantômes du passé. Et franchement c'est un film que je conseille grandement et qui est vraiment très... qui vous fera verser une petite larme à la fin quoi. C'est un film dramatique on peut dire. Ah oui, c'est pas forcément un film qui fait rire. Voilà. Et après j'ai enchaîné avec Joueur de Marie Mong. Ah là tout le monde parle de ce film Joueur à la quinzaine des réalisateurs, tout le monde l'attend. C'est un film français. C'est un film qui raconte l'histoire d'Ella, une jeune serveuse dans un restaurant à Paris, qui un jour va rencontrer un homme qui est un accro au jeu d'argent, au jeu de cartes, au jeu de casino. Et ensemble, en fait, ils vont commencer une relation et ils vont beaucoup gagner et ils vont aussi beaucoup perdre. En même temps, c'est plutôt les cercles de jeu, non, il me semble. Oui, exactement. Plutôt que les casinos officiels. Oui, c'est des cercles un peu renfermés, un peu privés. Quoi. Voilà. Pas forcément très légal. Ah. Et c'est un film, bon, avec un scénario assez basique finalement, mais dans un contexte assez original qu'on ne voit pas tout le temps. Le milieu du jeu, c'est ça? Oui, le milieu du jeu, le milieu des trucs comme ça, et il fait de façon un peu plus originale. Donc voilà, c'est pas mal. C'était pas un grand film, mais c'était pas mal. Donc. Pas de controverse sur ce film, non? Non. Pas de polémique, rien? Non, pas de polémique. Voilà. Mais en même temps, c'est la découverte un petit peu underground des voilà. cercles de jeu. Quoi. Voilà. Et où on peut justement sombrer ou pas. Ouais. Donc voilà. Vous n'avez pas dévoilé le... Ah non, je ne vais pas dévoiler l'intrigue. Surtout la... pas. Ah non. Surtout pas, jamais. Ouais, voilà. Voilà, donc ça c'était la journée. Donc, nous sommes déjà dimanche, donc c'était la journée de vendredi. Vendredi. C'est ça ouais. Donc voilà, donc on se retrouve demain pour parler encore des films de la quinzaine. Demain, okay. Je crois que vous en avez trois. Ouais. Oui. Donc voilà, on se retrouve. Dante, merci beaucoup. Donc, CineZoom et la radio du cinéma avec nous chaque jour pour parler des films que nous avons vus, aussi bien à la quinzaine qu'à un certain regard, et également aussi en compétition officielle. Ça c'est mon rôle, mais aujourd'hui je me suis un petit peu reposé, puisque je disais en début de cet entretien que eh bien, CineZoom fait sa promotion aussi, et on ne peut pas être dans toutes les salles, dans toutes les directions, donc voilà, chaque jour, une chose différente. Donc heureusement que Dante est là cette année, parce qu'au moins il peut voir des films à ma place, et c'est intéressant, et en même temps, il est efficace, je pense, ce petit-là. Vous lui mettrez une note à la fin du festival. Merci beaucoup. Thank you.